Hola, buenas tardes a todas y bienvenidas al museo. Muchas acabaréis de llegar, muchas llevaréis ya aquí tres días, ¿no? algunas llevaréis todo el día. Daros a todas la bienvenida y dar un, un, con este, esta presentación que vamos a hacer ahora por iniciada esta sesión de la tarde, que es el seminario eh, central del Encuentro Ale. Aquí tengo junto a mí a Isabel Legaló que es la directora de la Fundación Caraso, Daniel y Nina Caraso, en España, y con quienes hemos tenido, bueno, hemos... Yo personalmente, en otra institución también, pero desde que estoy aquí, ¿no? una colaboración intensa y un trabajo bueno, que pocas veces, yo creo, en mi experiencia, pocas veces se ha dado de colaboración con una fundación desde la programación de un museo y sumando intereses comunes en el desarrollo de proyectos de amplio alcance. ¿no? Entonces, os voy a, voy a dar la, la palabra a Isabel Legaló. Muchísimas gracias, Isabel, por acompañarnos hoy también. Y bueno, te dejo. Pues muchísimas sí. gracias Pablo. Eh, muy, muy buenas tardes a, a todas y a todos. Es un placer tener un huequito aquí ahora para contaros un poquito de dónde venimos, qué intentamos hacer y compartir toda la ilusión eh, de estar aquí, de haber estado aquí eh, desde antes de ayer por la noche en mi caso eh, y de haber podido compartir toda la buena energía que hemos podido vivir en esos talleres y en ese encuentro para los que no nos conocéis la fundación daniel y es una fundación familiar eh, de patrimonio nació en francia en 2010 es franco-española trabaja por lo tanto en, en los dos territorios en francia y en españa es una fundación que creó marina namias que es la hija única de daniel y de nina Carasso daniel caraso fue el fundador de danone y danone nació eh, en cataluña y de hecho en, en Carrer de sánchez aquí al lado eh, es donde tuvieron el, la primera fábrica realmente de yogures con lo cual es un eh, placer <laughs> añadido no es un gusto el, el siempre tener la ocasión de, de estar aquí en barcelona y tan cerca de esos orígenes. Y aún así, la Fundación no tiene ninguna relación, no guarda ninguna relación con la sociedad comercial. Y desarrollamos dos líneas de actividad en España desde 2014, que son la alimentación sostenible y el arte ciudadano. Y aprovecho eh, para hablar también un poquito de alimentación sostenible. Hablábamos de la cuina en el, al mediodía, porque es una línea que tiene más puntos en común con, con las de arte, eh, que a veces puede parecer, ¿verdad? En alimentación sostenible eh, lo que buscamos hacer es eh, ayudar o acelerar en la transición hacia sistemas alimentarios sostenibles en todas sus vertientes. Y un sistema de alimentación es sostenible en todas sus vertientes cuando lo es para el medio ambiente, cuando lo es para las personas y en particular para su salud a largo plazo, no solo a corto plazo. Eh, cuando lo es económicamente, es decir, se sostiene en un sistema que es el que tenemos y es el de hoy, eh, de alguna manera, y hay que buscar las formas, eh, y eh, es sostenible a nivel social, es decir, que es motor de justicia social, no de lo contrario. Trabajamos en, en esa línea, al igual que en la de arte, buscando eh, proyectos de escala más pequeña, pero que son muy innovadores, que aportan muchísimo a las escalas en las que trabajan, y trabajando también con grandes instituciones que tienen el deseo de, eh, de innovar, de hacer las cosas de otra manera en conexión con los territorios en particular y con las comunidades. Y eso es también la manera de hacer en, en arte, donde he tenido el placer de conocer a Pablo nada más empezar a, a trabajar en esta fundación en 2014. Eh, la línea de arte la titulamos arte ciudadano, porque consideramos que, eh, o esperamos, o deseamos, o queremos, que eh, el arte... Eh, vuelva a estar en el centro de esos procesos sociales donde nace un espíritu crítico, una sensibilidad, una mirada que cada uno y cada una eh, puede activar para sentirse plenamente parte de lo que es nuestro presente y de lo que es la construcción de nuestro futuro. Y lo hacemos a través de distintas líneas, trabajamos en eh, un programa de arte y escuela, un programa de mediación artística y un programa de arte, ciencia y sociedad. No entro mucho más en detalles eh, de momento, simplemente deciros que eh, como fundación, por supuesto, financiamos proyectos, pero intentamos hacer muchas más cosas porque tenemos una perspectiva un poco, y voy a decir las grandes palabras que han su suscitado muchísimo debate eh, eh, esta mañana y ayer, pero intentamos tener una mirada sistémica, es normal, somos una organización que está intentando trabajar a escala, al menos estatal, ¿verdad? Eh, y eh, trabajando de manera sistémica, acompañamos los proyectos individualmente en el refuerzo de su sostenibilidad, de su capacidad, de su proyección, de su puesta en valor. Y trabajamos también a nivel de lo que llamamos el ecosistema. Podemos debatir si es un ecosistema o no. Consideramos que a partir del momento que estamos sumando todos esfuerzos y resultados en un mismo campo, eh, sí que de alguna manera lo somos. ¿no? Y sí que hay cosas que compartimos y desde la cual, las cuales nos podemos nutrir unos y otros. Y. Eh, el, el tema de sistémico tuvo de sistémico en relación con lo que es la transformación social tuvo mucho debate. La fundación sí es verdad que siempre decimos que nuestro, nuestro enfoque, nuestro objetivo es esa transformación social. Realmente queremos que el día de mañana las causas que vieron nacer eh, los proyectos, las, la, la problemática pueda de alguna manera desaparecer o atenu atenu atenuarse. Y transformación social es un nombre muy grande. Me encantó lo que comentó el compañero de la agencia eh, justo antes, ¿no? de que es transforma, que es un tránsito, es cambiar de forma e ir avanzando. Comparto completamente ese, esa precisión. Eh, no es detrás de eso no hay no es una voluntad de ambición desmesurada realmente es decir sí hay problemas sí hay cosas que tenemos que cambiar sí tenemos que legar un mundo eh, un poco más habitable eh, a, a nuestros niños y niñas y con este foco Trabajamos a nivel de sistemas considerándolos como algo orgánico, como algo que hay que abordar de una manera muy sensible cuando se habla mucho de evaluación, por ejemplo. Eh, intentamos hacerlo desde eh, la mirada más, eh, más adaptada al proyecto en cuestión o al grupo de proyectos en cuestión, desde la investigación, desde todas las miradas, desde todos los saberes. Y creo que esas eh, puntualizaciones eran importantes, pero creo que no hay que prescindir de un poco de ese sueño ¿no? de, de transformación eh, social. Dicho todo esto, otra fuente de placer y de, de felicidad es eh, efectivamente el camino que hemos tenido con el MacBook. Empezamos, eh, final... nosotros empezamos a trabajar desde la práctica. Empezamos esta fundación es muy reciente. Empezamos a identificar proyectos que creíamos que aportaban mucho en la línea de arte ciudadano y empezamos a caminar y empezamos a aprender y a aprender mucho junto a ellos. Y el proyecto de Expressart de la maleta viajera, ese puente entre el museo y las escuelas aquí eh, liderado por el MACBA, es uno de los primeros proyectos que apoyamos. Y creo que las dos instituciones y el proyecto fueron caminando, progresando, aprendiendo, cambiando también eh, a lo largo de estos años. Eh, y bueno, hoy con Hemisferi Dret y luego con Postdata, ¿no? Mm. Eh, también en esa época de eh, financiar muchos proyectos, ir aprendiendo con todos ellos, eh, conocimos al MUMO y organizamos aquí en España una gira. Que es, MUMO es un pequeño museo que viaja en, en un camión. Eh, aquí tenemos eh, su madre, eh, Ingrid. Y, y aprendimos mucho de los dos proyectos, tanto que eh, nos pareció que esa cuestión de la movilidad de la educación artística era absoluta, absolutamente clave en ese proceso de construir una línea de arte ciudadano. Eh, el... La titulamos, bueno, cogimos un, un título, un nombre que había acuñado el colectivo CEMOS98, que es Educación Artística Expandida, eh, que se refiere a que esa educación artística puede tener lugar en cualquier momento, en cualquier sitio, si las condiciones adecuadas se dan. Y abrimos una convocatoria llamada eh, Dispositivos Móviles para la Educación Artística Expandida, de la cual... Aprendimos muchísimo, encontramos muchas más personas eh, absolutamente fascinantes e inspiradoras en el camino, proyectos que muchos de vosotros estáis aquí hoy. Eh, y, y sentimos, eso más recientemente, eso fue una trayectoria de tres años, y sentimos hace como un año y medio que estábamos en un lugar particular, estábamos rodeadas de unos proyectos absolutamente magníficos que estaban trabajando con la misma. Eh, la misma trayectoria, la misma ambición, el mismo, los deseos muy similares, metodologías que también tienen mucho en común y mucho de diferente. Y sentimos que era necesario también poder contar esa historia a nivel del grupo de los proyectos. Y que eso no necesariamente se podía pedir a cada uno de los proyectos. Es un esfuerzo eh, de, de cambio de escala complicado. Sentimos que teníamos también que investigar eh, un poco más de cómo ocurrían las cosas, por qué nacían, cómo se daban, qué transformaban, cómo se transformaban ellas mismas, eh, qué podían contar a otros, qué tenían que podía empoderar a muchos más agentes fuera de ellos y empezamos un proceso en 2018 de, de mucha investigación grupos de trabajo etcétera que nos nos llevaron a una metodología de recogida de aprendizajes que todavía estamos eh, iba a decir terminando de formalizar pero realmente no la vamos a terminar de formalizar nunca porque como decía antes esos procesos son orgánicos entonces siempre hay que mantener esa una parte de flexibilidad una parte de empatía una parte de, de dejarse aprender eh, para adaptar esos procesos eh, bien. Pero básicamente son procesos sencillos, consisten en reunir todos los proyectos que trabajan en torno a una, o una misma temática o una ma misma manera de trabajar eh, y recoger los aprendizajes prácticos de cada uno de ellos para luego formalizarlos. Formalizarlos en lo que puede ser una publicación, pero también formalizarlos en lo que puede ser las maneras de viralizar esa publicación. Y el evento de hoy, realmente nuestro deseo de este evento de hoy viene de ahí, de reunir todos los proyectos eh, que pudieran compartir eh, en torno a la temática y de poder pensar el, el next step. Yo lo que he vivido estos días ha sido eh, muchísima energía, muchísimas ganas de compartir y de aprender unos de otros. Creo que eso es un... Es algo muy bonito y muy prometedor en cuanto al futuro y en cuanto a eh, próximas ediciones que uh -huh. <laughs> quizá debamos en un futuro más largo eh, contemplar. ¿no? Eh, deciros eh, sí, deciros también que creo que a nivel práctico. Ese encuentro ha sido muy equilibrado entre momentos de reflexión, momentos de debate, momentos de pensamiento crítico, momentos de acción, y que ha sido un verdadero, un verdadero placer. Y que bueno, pues intentaremos que esos aprendizajes efectivamente sean móviles, viajen y fertilicen. Mm -hmm. Así que muchísimas gracias a todo el equipo implicado, que ha sido muy numeroso, muy talentoso y muy cariñoso, el del MACBA, eh, tú, Yolanda y Yolanda, sí. eh, Julieta Jara, las mediadoras, eh, las relatoras, moderadoras, y el equipo de la Fundación Caraso, con Carlos, Cristina, con Anastasia con Marion, con Alice eh, y otra Marion también. Así que muchísimas gracias, ha sido un placer la verdad y creo que el inicio de un camino. Sí, bueno, muchísimas gracias Isabel. Yo quería para continuar y para presentar un poco el, el seminario y continuar con todas las palabras eh, de Isabel y a lo que me sumo leyendo unas proposiciones. Sueñe despierto y duerma dormido con la mayor frecuencia posible y en cualquier circunstancia y situación. Ríase con alegría siete veces al día y sin alegría otras tantas. Llore de emoción nueve veces a lo largo del año que prefiera y sin emoción 243. Absorba una dosis fuerte de cianuro. Cuente su experiencia en directo en la televisión. Estornude haciendo el mayor ruido posible. Miren lo más alto que pueda por la mañana y lo más bajo que pueda por la noche. Verifique los dedos de sus manos 24 veces al día, es decir, cada hora. Bien, esto que acabo de leer es un protocolo, son unas instrucciones, es una pieza de Esther Ferrer que está incluida en este libro que se llama De la acción al objeto y viceversa y que forma parte de un proyecto que ella realizó en la década de los 90 en Guipúzcoa. Y me parecía que este, bueno, este, este protocolo me parecía interesante para abrir, pero también por el propio título de la, del, del libro: ¿no? De la acción al objeto y viceversa. Que me parecía que podría haber sido un contratítulo perfecto para lo que ha pasado estos días o para el seminario de hoy: ¿no? De la acción al objeto y viceversa, del objeto a la acción y viceversa, viceversa, de la acción al objeto. Bien. Este, de alguna manera, retomo también esta idea que, que, que mencionaba Isabel, que tiene que ver con la educación expandida. ¿No? Pero a mí me, me, me gustaba también pensar cómo hay unas prácticas artísticas que se pensaron como prácticas artísticas expandidas y que fueron las prácticas de fluxus, pero no solamente ellas, ¿no? sino que partían de toda una genealogía en la que los conceptos o, eh, bueno, podían fluir ¿no? y el arte conceptual ¿no? pensaba desde ahí ¿no? como una desmaterialización del objeto y como también una expansión del objeto que fuese más allá de los límites de la institución, del mercado y de los agentes habituales que, que gestionan el arte. ¿no? Me parecía que pensar entre esta, el arte y la educación, yendo también o volviendo a unas prácticas radicales como las prácticas de fluxus, podía ser, o podía ser una buena manera de empezar este seminario. Aquí me encuentro con Isabel ¿no? abriendo el seminario, esta sesión de la tarde, que supone una bisagra dentro del programa de estos días. Hasta ahora hemos estado miércoles, jueves y viernes, hemos tenido talleres, seis talleres simultáneos que han pasado en las dos tardes del miércoles y del jueves, y un encuentro a puerta cerrada por las mañanas que tenía que ver con todos estos agentes que invitó la Fundación Carazo y otros que también se han sumado o que nosotros hemos aportado para esta invitación y que ellos generosamente han invitado a venir. También ha habido un encuentro para otros agentes llevado por Permea, ¿no? por el máster de educación. O de de, de, de universitario permea y por tres personas ¿no? como son dimitrios Tomás y alba que nos agradecemos también que han estado aquí haciendo esa función durante ese día ¿no? y ahora lo que hacemos ahora en esta tarde es como bueno invitar a gentes que han participado en parte en proyectos y otros que no para pensar juntas desde una perspectiva fuera de los proyectos no directamente implicada o en la inmanencia interior de los proyectos estos serían pues, una primera conferencia de stelson Bengual en la que hablaremos o hablará ella desde una perspectiva más de la historia del arte, ¿no? Que ahora me contaba que justamente ella también iba a hablar mucho de Fluxus, ¿no? Eh, y después dos mesas redondas, dos mesas redondas en las que distintos agentes pensaremos o hablaremos. Lo que hemos invitado es tanto y a ver cómo nos sale romper como ciertas lógicas habituales de las mesas redondas en las que cada uno cuenta en diez minutos su parte de proyecto, ¿no? Algo que nos parece a mí siempre me ha parecido como un insulto a la inteligencia, ¿no? Y pensar o arriesgarnos a que haya un debate. De ideas aquí en relación a cuáles son los conflictos o las tramas que atraviesan estos proyectos. Una de esas mesas que luego la presentará ella mejor que yo es Judith, la, 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 si tiene energías todavía, porque creo que la estamos exprimiendo a la pobre, ¿no? Judith Vidella, ¿no? y otra que estará mucho más relacionada con cuestiones institucionales que, eh, bueno, que, que, que moderaré yo. Quizá uno de los grandes desafíos de nuestro programa educativo es desafiar o romper algunas lógicas que están inscritas en la institución, en nuestras subjetividades, también en los agentes con quienes colaboramos en eh, esta lógica o esta tensión entre quién sabe y quién no sabe, quién aprende y quién ha de enseñar. ¿no? Nos mueve mucho también además, cualquier preocupación, o una preocupación por entender la educación como una práctica rígida, como una práctica que genera modelos, como una práctica que puede ser replicable sin ser puesta a sí misma en cuestión. Nos parece muy interesante trabajar en la institución desde la experimentación con el arte ¿no? y, es, y, y experimentar con ello, con la pedagogía. Este seminario converge o convergen como decía bien Isabel dos trabajos por una parte el que la fundación lleva haciendo de reflexión y de apoyo a proyectos y por otra parte unos proyectos que el museo ha activado desde mucho antes de que yo estuviese aquí no la caja expresar se inicia en el año 2004 y cuando yo me incorporo al equipo del museo en el año 2006 eh, 2016 ¿no? aunque ya parece que lleve 20 <laughs> años desde eh, desde 2016 lo que hacemos se nos presenta la oportunidad de Repensar o pensar o actualizar qué sería, y de, de su ayuda, cuál sería la movilidad, ¿no? este, o cuál sería esta educación que se mueve, o cuál, cómo podríamos repensar aquello que en un momento era una maleta pedagógica, cómo podríamos pensar en, una, bueno, en un artefacto o en una práctica artística que pudiese servir también para la educación. En este sentido, pensamos postdata y al final de ese proyecto había pensado hacer un, un mini encuentro ¿no? en el que pensásemos sobre estas prácticas y lo que había pasado y la fundación nos invitó a amplificarlo y a llevarlo hasta estas dimensiones que, que ha adoptado este encuentro. ¿no? Eh, contaros para resumir, pero que tampoco nos queremos alargar mucho más, o yo no me querría alargar mucho más, que hay una página web que hemos abierto y que estará permanente, que es un microsite, que es alet.macba.cat. Alet ¿no? en el que muchas os habéis inscrito a través de ahí. Hoy estamos haciendo el streaming y saludo a toda la comunidad que nos esté viendo por streaming. Eh... En esa, en, esa, en esa página no solamente era una página para el evento, sino que queremos que sea un recurso. En ese sentido, estará la libreta verde que muchos tenéis, ¿no? en la que están todos los proyectos recogidos que, forman parte, que han formado parte del encuentro y que están por aquí. Que os invitamos que luego en los descansos también, quienes venís de fuera o no habéis participado en estos días, podáis eh, conoceros, ¿no? dar esa oportunidad. En cualquier caso, están las webs y los contactos, en muchos casos, dentro de esas libretas. Pero también hay tres informes. Un informe que hicieron Julieta Dentone y Jara Blanco. Que no, que a quienes invitamos este verano precipitadamente a que pensasen con nosotros eh, eh, y hiciesen un informe de investigación, no de diagnóstico, sino una herramienta de trabajo para pensar en este encuentro. Y en, ese, en esa herramienta de trabajo ponían, reflejaban muchos proyectos que están aquí, muchos interrogantes relacionados con esos proyectos. Es un informe que, aunque es un informe de trabajo, no es un informe final, es un informe que a quienes lo leáis os invitamos a que lo leáis como una herramienta para llegar hasta aquí. Pero hay muchas informaciones y muchas preguntas que pueden ser muy interesantes para todas las que estáis trabajando en este ámbito o todas las interesadas en la educación artística. Pero además hay otros dos informes, un, dos informes hechos por Dani Medina, que estará después en la mesa con Judith Villella, y que, y que son más que un informe de acompañamiento de los dos proyectos que ha activado el MACBA, Postdata y eh, Expresar, sino que son dos reflexiones sobre sus genealogías también las genealogías que desbordan los propios proyectos y bueno su, poten su potencial agencia no quiero terminar esta presentación sin reconocer y agradecer a quienes hacen posible que esto esté aquí Humanamente y materialmente. ¿no? Materialmente, este, el equipo del MACUA y la Fundación Caraso ¿no? han estado el apoyo material de la, de la Fundación Caraso, pero también su eh, colaboración o su trabajo en el codiseño de buena parte de lo que ha pasado aquí o buena parte de lo que pasa hoy también. ¿no? Eh, eso es, como os decía, una experiencia muy interesante de, de trabajo de trabajo entre dos instituciones ¿no? eh, y ahí bueno, a todos a todo el equipo de carazo carlos marion eh, anastasia también eh, eh, como en Isabel. Pero por otra parte, también al equipo técnico del museo, ¿no? que ha hecho un trabajo, bueno, ha hecho un gran esfuerzo para toda esta cuestión que pasa tan simultáneamente el equipo de técnicos ¿no? y también a toda la gente que está hoy haciendo el streaming, pero especialmente no podía a las traductoras, que creo que ya estoy volviendo a hablar rápido, ¿no? eh, que van a estar toda la tarde, pero también, sobre todo, a Yolanda Nicolás y Yolanda Yolis, ¿no? eh, que han hecho un trabajo formidable ¿no? y, 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 que han, bueno, y que creo que han puesto algo más que el aliento en este, en este proyecto que se ha sumado a muchos otros proyectos que ya tenemos activos en el museo, ¿no? que eso eh, es de, de, de reconocer. Sin más, yo querría... Pasar quizá a presentar ya la primera charla de esta tarde y dar las gracias a todos los que habéis venido aquí, a todos los que habéis venido desde muy lejos, los que habéis participado en el encuentro y los que estáis ahora aquí. ¿no? Para, y, y, y gracias también anticipadas que esperamos que puedan surgir debates a lo largo de la tarde de hoy y más allá de hoy. Quería pasar ya a presentar la primera de las charlas de esta tarde, ¿no? eh, que es de Estelle Zon Mengual, que es una historiadora del arte eh, francesa. Eh, bueno, Francesa, bueno, no voy a hablar de toda su genealogía, pero no es solo francesa, ¿no? eh, eh, ella habla castellano, ¿no? eh, eh, creo que su madre ¿no? es valenciana. ¿no? Eh, y Estelle hoy nos, nos viene a hablar, o, o el título de su conferencia es, Art will, will Not Happen Without You y en el que de alguna manera va a hablar de prácticas artísticas que han generado relaciones. ¿no? Nosotros, para nosotros había algo importante que era reconocer ciertas genealogías en las prácticas que estábamos desarrollando. Algunas genealogías las teníamos muy claras o se han estado hablando estos días, que son genealogías pedagógicas ¿no? o genealogías que podíamos rastrear en pedagogía. Nos interesaba también generar, también por el lugar en el que estamos, que es un museo, a nosotros nos interesaba precisamente pensar en genealogías de prácticas artísticas que podían iluminar o contrastar o contradecir lo que nosotros estábamos haciendo o lo que vosotras también estáis haciendo o lo que podemos llegar a hacer en el futuro. ¿no? Esta, este título de esta conferencia, ahora lo, lo explicará mejor, forma parte del de, de, de Basement Group, ¿no? un grupo de, de, de 1979 al 83, y, ahora, y ella ahora, bueno, os dejo con ella, tiene dos publicaciones en francés, esperamos que este seminario o este encuentro sirva para que eh, algo podamos publicar en castellano con ella, ¿no? es, 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 es autora de L'Artanco, Reinventar las formas de colectividad en el contexto democrático, ¿no? que es de, bueno, la, la, el arte en común, ¿no? reinventar las formas de lo colectivo en el contexto democrático, y estética de la rencontre, enigma de l'art contemporáneo, ¿no? que es la estética del reencuentro y el enigma del arte contemporáneo, ¿no? ambas, una en Presse du Réel y otra en Édition du Soleil. Eh, sin más, Estel, no sé dónde estás, no sé si puedes. Estás allí, no sé si puedes subir y os dejamos ya con ella. Muchísimas gracias. Muchas gracias, vale. Ah, vale, vale. Uy, ya funciona. Sí, muy bien, gracias. Bueno. Um, Buenos días a todos, bon días a todos, buenos días a todos. Um, lo siento mucho, voy a hablar en francés, así que si tenéis que buscar auriculares para la traducción, pues ahora es el momento. Um, yo soy muy contenta de estar parmi ustedes. Quiero agradecer a la Fundación, la Fundación Carasso, Euh, en premier lieu, Isabelle Le Gallo, Anastasia Macri-Vubretonot, Carlos Almela, euh, Marion Desma, euh, et également Nelmac claro, euh, Pablo Martinez et Yolanda Nicolas. Euh, alors, pour moi, c'était un... quand la Fondation Carasso est venue me demander si je pouvais faire une conférence dans ce cadre. Au départ, c'était vraiment un challenge pour moi parce que, comme vous l'a dit Pablo Martinez, je suis historienne de l'art, donc je ne suis pas du tout spécialiste des pratiques d'éducation artistique. Et donc tout l'enjeu pour moi, c'était d'arriver à voir quel dialogue on pouvait instaurer, quelle filiation aussi peut-être entre les pratiques artistiques qui appartiennent à l'histoire de l'art contemporain, des pratiques avec lesquelles je suis familière, et ce que, que vous proposez euh, ici. Et donc, euh, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est une, une proposition voilà, de ce que, depuis le lieu où je parle, de ce que vos pratiques m'ont aussi évoqué, avec quoi cela, cela a résonné. Euh, et euh, quand j'ai commencé donc, à réfléchir, à comment je pouvais construire une sorte de, de commun entre une certaine histoire de l'art contemporain et euh, des pratiques d'éducation artistique, euh, j'ai été très vite frappée par le fait que il euh, y avait à mon sens euh, peut-être plus que des formes communes, même si il y en a, on le verra, peut-être euh, voilà plus que des matériaux communs, il y avait aussi une sorte de, de problème commun, un problème au sens euh, d'un enjeu qui euh, anime tout aussi bien euh, une certaine euh, comment famille dans l'art contemporain et euh, des euh, praticiens d'éducation artistique. Voilà, donc ça c'était mon énigme, comment je fais pour penser euh, à partir du milieu. Euh, Est-ce qu'il y en a une C'est un peu le, ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Et j'ai trouvé que peut-être ce problème commun, possible, c'était que vous aviez tous les deux, voilà, vous, aviez, euh, vous étiez animés par le fait de, vous, de poser la question, comment on crée une rencontre avec l'art Alors évidemment, là quand je parle de rencontre, je n'en parle pas euh, dans un enfin, comment dire. Je parle dans un sens très particulier qui est pas seulement dans le, le sens commun quand on comme on, quand on dit rencontre au sens de euh, mise en présence de deux personnes, de deux objets, mais davantage de rencontre comme euh, alors euh, on a créé avec un philosophe dans un des livres dont a parlé Pablo Martinez un concept qui est un concept que j'appelle la rencontre individuante, pour expliquer de quel type de rencontre, pour préciser de quel type de rencontre euh, euh, je parle. Alors, qu'est-ce que j'entends par euh, rencontre individuante Donc, même si vous, le concept est nouveau, en fait, euh, c'est quelque chose qui vous a, va vous être très familier très vite, parce que je pense que vous avez tous euh, fait cette expérience-là, sinon vous ne feriez pas le métier que vous faites tous, <laughs> euh, qui est que un jour, euh, même peut-être plusieurs fois, euh, on, a, euh, on a lu un poème, on a écouté une musique, on a vu un tableau, on, a, on est passé dans une installation qui, euh, tout d'un coup, est venu transformer quelque chose en nous, sans que l'on sache forcément sur le moment ce que ça venait transformer, et qui a lentement euh, reconfiguré nos manières de sentir, de percevoir, de concevoir, euh, d'agir. Et c'est ça que j'appelle une rencontre individuante. C'est une rencontre qui transforme euh, notre trajectoire d'individuation, c'est-à-dire comment on se constitue. Et, et c'est voilà, une rencontre qui fait que tout d'un coup on sort de cette rencontre avec une œuvre comme un corps plus intelligent, plus sensible, qui a été transformé, enfin réagencé en fait presque. Euh, il, y a pour, il y a beaucoup d'exemples de ça, de, des rencontres individuantes. Je vais en, en parler ensuite. De, je vais évoquer un artiste qui évoque une rencontre individuante avec une œuvre, avec l'art. Mais il y a aussi un exemple que j'aime bien parce que je trouve qu'il est très parlant. Euh, pour illustrer justement ce que j'entends par rencontre individuante, c'est euh, un passage d'Oscar Wilde, euh, le penseur anglais, dans un livre qui s'appelle Le déclin du mensonge. Et il dit, il ce, y a ce passage qui est très drôle quand on le lit, où il dit, euh, vraiment, il n'y a jamais eu autant de brouillard à Londres depuis que les impressionnistes l'ont peint. Et bien sûr, il y a voilà, donc il y a deux lectures de cette phrase. Il y a la lecture d'Oscar Wilde, un peu dandy, qui s'amuse de paradoxes, etc. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette phrase, qui est précisément qu'il eu lieu, il est en train de, de raconter en fait qu'a eu lieu entre les peintures impressionnistes et lui une rencontre individuante, et qu'elles sont venues transformer ses peintures, sa manière de percevoir. D'être disponible à des choses qu'il ne percevait pas avant, en l'occurrence ici le brouillard. C'est précisément ce, cet élargissement de la disponibilité et de la perception que j'essaie de pointer avec cette idée de rencontre individuante et qui est voilà, particulièrement, je trouve, bien produit par l'art. Euh du coup, quand j'ai. Voilà. Quand je me suis dit tiens c'est vraiment quelque chose qui, doit, qui anime aussi les éducateurs artistiques puis c'est comment je vais pouvoir créer ça euh, chez voilà les, les, les aussi les comment les, les publics on ne sait pas comment on les appelle on a dit tout à l'heure les publics les participants avec lesquels je travaille je me suis dit aussi que du coup il y avait aussi quelque chose euh, il y avait aussi un autre point commun donc il y avait cette quête de rencontre individuante mais il y a aussi du coup une sensibilité partagée, je pense, entre la famille d'art contemporain dont je vais vous parler et ces pratiques d'éducation artistique, une sensibilité partagée qui est que euh, il y a une exigence à se rendre attentif aux conditions favorables et défavorables à la création de cette rencontre, ce qui est un, un exercice et une aptitude très euh, particulière. Euh, et que justement, tout l'enjeu, à la fois dans l'éducation artistique comme pour certains artistes, ça va être de créer des dispositifs qui favorisent, qui permettent voilà, cette rencontre individuelle et comment on fait, on trouve, ça, comment, comment faire. Et très, je me suis dit que vous aviez aussi donc, une quête commune, une sensibilité commune, mais peut-être aussi euh, une solution. À, ce, à, ce, à cette quête euh, qui était commune, qui est le fait de dire peut-être que une des conditions favorables ou des conditions favorables pour créer cette rencontre individuante, c'est de changer nos relations à l'art. Et changer nos relations à l'art, c'est-à-dire changer les relations traditionnelles qu'on a avec l'art, c'est-à-dire changer la manière d'entrer en contact avec l'art. Mais aussi changer potentiellement la distribution des rôles, la forme des relations entre artiste et public, entre œuvre et public, c'est-à-dire en fait. Et alors, peut-être que je suis très en retard sur mon PowerPoint. Non, ça va. <laughs> et c'est-à-dire en fait changer ce que j'appelle nos habitudes d'art. C'est quelque chose qui, pour moi, est une idée assez importante. L'idée d'habitude d'art, même si ce n'est pas très utilisé, puisque j'ai inventé l'expression, euh, qui est que, euh, et pour moi, ça c'est vraiment un problème d'artiste, un problème d'art au sens très profond, euh, cette question des habitudes d'art, au sens où euh, il me semble que euh, cette idée d'habitude d'art offre une relecture possible de toute cette histoire de l'art contemporain. Et de l'art moderne euh, qu'on a traditionnellement appelé avant-garde. Alors je ne sais pas si aujourd'hui on maintiendrait ce terme parce que voilà aujourd'hui il y a des critiques de ce terme en disant que ça c'est une so y a une sorte d'idée progressiste de l'histoire de l'art derrière ce terme-là. Mais en tout cas euh, ces mouvements qu'on qu a appelés d'avant-garde, je pense que au-delà de comment dirais-je formes communes euh, de, formes enfin, plastiques communes, elles ont en commun justement cette très grande sensibilité au fait que oui, on a effectivement des habitudes d'art, c'est-à-dire que a une certaine manière, certaines habitudes dans la manière de créer pour les artistes, par exemple. Je vous donne des exemples. Par exemple, créer tout seul dans son atelier, c'est plutôt une habitude qu'on a. Euh, exposer des œuvres dans un... et choisir d'exposer ses œuvres dans des espaces consacrés à l'art, c'est une autre habitude. Mais on a aussi des habitudes de réception, des habitudes de recevoir l'art. Euh, le fait de, par exemple, être plutôt dans une relation de contemplation avec des objets, le fait d'aller plutôt, d'avoir une relation à l'art qui prenne plutôt la forme de fréquentation, de musée, le week-end, etc. Tout ça, c'est des habitudes d'art. Et que justement, les avant-gardes euh, avaient en commun le fait de sentir que tout ça, même si ce n'était pas forcément les mêmes habitudes aux différentes époques donc, euh, au cours du XXe siècle, que tout ça, en fait, ce n'était pas une essence de l'art, ce n'était pas ce qu'est l'art en général, mais c'était les habitudes qu'on avait prises. Mais que comme toutes les habitudes, on pouvait en changer. Et que peut-être ces habitudes-là étaient devenues des obstacles au fait qu'il y ait effectivement des rencontres individuantes. Avec des œuvres, avec l'art, et que peut-être là il y avait un endroit où on pouvait travailler. Et je pense que c'est quelque chose que moi, en tout cas en regardant, en vous écoutant depuis hier, en relisant tous les documents qu'on m'a envoyés, etc. Je trouve que c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans la manière que vous avez de formuler les problèmes. Peut-être que enfin, je laisse ça. <laughs> vous me direz. On en parlera. Euh... Et donc, en, en, voilà, en ayant formulé ce commun possible, comment je pouvais l'approcher sans... Je me suis dit que, justement, cette question de... Comment on va changer des habitudes d'art pour créer des rencontres individuelles, c'était quelque chose que je trouvais particulièrement prégnant, particulièrement évident dans un mouvement euh, qui, donc, qui, pour moi, avec mon regard d'histoire de l'art, euh, que je vois très présent en filigrane et parfois plus que ça, dans les projets d'éducation artistique. Et ce mouvement dont je voudrais vous parler, qu'on a qualifié de mouvement d'avant-garde, c'est le mouvement Fluxus. <laughs> euh, alors j'imagine que vous êtes euh, pour, euh, assez familier avec ce mouvement. C'est un, un mouvement qui a euh, pour particularité d'être s'être étendu sur une longue période de temps c'est à dire depuis le début des années 60 jusqu'à, on ne sait plus très bien fin des années 70 début des années 80 qui a été euh, comment dirais-je interprété différemment dans différents pays mais qui a aussi pour particularité d'avoir été très euh, comment dirais-je international euh, et, euh, et donc voilà, dont les artistes, euh, peut-être, les artistes dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Georges Brecht, Yoko Ono, euh, Alison Knowles, mais c effectivement Pablo Martinez, ça tombait très bien, parler d'Ester Ferrer, etc. Euh, et pour moi, c'était une généalogie possible, enfin, c'était une filiation euh, dans cette quête, cette sensibilité et cette solution commune de changer euh, les habitudes d'art pour créer des rencontres, qui me paraissait assez assez parlante. Alors Fluxus, euh, ce qui est très important, enfin, euh, mon sens pour comprendre euh, ce qui se passe avec euh, Fluxus, notamment, je connais mieux Fluxus aux États-Unis. Je suis désolée, c'est un petit peu centré sur le contexte américain. Euh, c'est que donc il, il change complètement euh, le format des œuvres, enfin la forme des œuvres traditionnelles. Mais ce qui est important, donc je vais vous en montrer, vous en vous Pablo Martinez, on a évoqué euh, certaines, les instructions, les protocoles, les partitions. Euh, et effectivement, c'est plus forcément des, des objets, euh, voilà, comment dirais-je, extérieurs, euh, posés là, devant un regardeur. Mais pourquoi c'est pas changer pour changer C'est-à-dire qu'on va pas juste euh, trouver d'autres formes pour faire du neuf. C'est parce qu'on essaie de euh, enfin, ces artistes étaient très préoccupés quand on lit leurs écrits. Ils étaient très préoccupés par euh, le prisme croissant euh, au début des années 60 de euh, comment dirais-je de la société de consommation qui est en pleine explosion à ce moment-là et du fait que tout d'un coup, à la fois entre l'artiste pour l'artiste dans la création et aussi pour euh, le public dans son rapport à l'objet. Tout d'un coup, il y avait une sorte de nouveau prisme qui était le prisme de l'œuvre comme objet euh, marchand, objet commercial. Alors, bien sûr, euh, c'est depuis toujours, les œuvres ont été vendues, euh, voilà, ont des prix, <laughs> ont eu des prix, c'est n'est pas nouveau. Mais là, ce qui était nouveau à cette époque-là, c'est que ça s'imposait comme prisme de relation, alors qu'avant, c'était un, voilà, un élément de fonctionnement économique, mais ça ne venait pas à ce point peser, notamment dans la relation entre euh, le public et euh, les objets qui se trouvaient là et où il y avait euh, ils sentent une comment dirais-je une déficience dans cette relation là où il y a une sorte de volonté de, enfin une volonté où on les prend comme tous les autres objets que l'on voit dans les autres contextes de la vie qui sont des objets euh, bah de consommation, et donc on a un rapport aussi à eux qui a une certaine temporalité, une certaine qualité qui n'est pas celle que les artistes voudraient mettre en place avec leurs œuvres. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut changer la forme des œuvres. Euh, alors, les œuvres, parce que quand même ça manque un peu d'œuvres. <laughs> euh, ici, ça m'intéresse beaucoup cette œuvre parce que c'est un moment un peu, c'est une œuvre un peu charnière, parce qu'on a encore un objet au socle traditionnel, même très traditionnel, c'est un objet sur un socle. Et en même temps, il y a cette inscription sur le socle qui dit "This sphere will be a sharp point when it gets to the far corners of the room in your mind". Et là, vous voyez, on est sur le moment où il y a l'objet et tout d'un coup la nouvelle forme de l'instruction qui apparaît. Et pour moi, c'est très intéressant parce que tout d'un coup, ce que met en valeur Yoko Ono, c'est la relation. Qu'on peut avoir avec cet objet, elle. Euh, comment dirais-je C'est presque. C'est pour ça que pour moi, il y a vraiment une sorte de parenté avec l'éducation artistique, parce que c'est presque un guide pour savoir comment on peut se rapporter à cet objet qui, autrement, serait peut-être muet pour euh, un regardeur. Elle nous dit peut-être que par là, c'est pas. Après, les instructions ne sont jamais des impératifs, c'est-à-dire qu'après, le, le regardeur en fait ce qu'il veut mais elle dit peut-être que par là, il pourrait se passer quelque chose. Et donc les instructions pour les artistes fluxus sont vraiment utilisées comme des sortes de... Comment dirais-je De manière de favoriser le fait qu'il se passe effectivement quelque chose avec l'œuvre qu'il y effectivement rencontre, plutôt que cette sphère dont peut-être on ne sait pas quoi faire. Euh, je vous montre aussi, évidemment... Euh, c'est donc c'est c'est vraiment des nouvelles formes c'est-à-dire la boîte de jeu c'est quelque chose qui dans l'art contemporain a en flux a déjà des comment dirais-je on, on en voit quelques-unes mais le fait de vraiment l'instituer comme une forme récurrente euh, vraiment, ça vient vraiment du mouvement fluxus euh, et donc là vous voyez on a une boîte dispositif mobile euh, avec une instruction euh, qui vous, vous allez voir, c'est des instructions un peu particulières. C'est aussi le propre de Fluxus, c'est que c'est des instructions euh, que l'on peut suivre, mais qu on peut, qui sont difficiles à... Comment dirais-je À suivre littéralement. Et c'est exactement euh, ce qui intéresse, je pense, l'artiste Fluxus, c'est ce jeu entre le fait qu'on vous donne à la fois des instructions sur des actions qui ont l'air très simples, vous comprenez exactement, mais en même temps au moment où on met ces actions ensemble, vous devez les faire ensemble, tout d'un coup, il y a une sorte de... Je ne sais pas si c'est une impossibilité, parce que je pense que ce serait euh, ruiner l'œuvre que de dire ça. Il n'y a pas une impossibilité, mais il y a une tension, et c'est cette tension qu'ils euh, essaient de... qu'ils estiment être une condition euh, imp voilà, importante pour qu'il se, il se passe quelque chose. Vous allez voir aussi ah ben voilà, un autre exercice, de Georges Brest, un autre. Euh, je vous laisse euh, lire. Là, je vous montre un peu, euh, voilà, une galerie pour qu'on puisse parler, euh, partir quand même de choses euh, qu'on partage euh, directement. Euh, ici, vous avez une performance. Alors, cette cette œuvre d'Alison Knowles, c'est à la fois une instruction. Make a salad. C'est pour être juste ça sur un carton. Et elle en a fait aussi une performance. Et c'est aussi euh, la particularité de Fluxus, je pense, euh, par rapport à l'art conceptuel, qui a aussi utilisé beaucoup d'instructions et de protocoles. C'est que pour les artistes Fluxus, euh, euh, le fait que l'action soit réalisée, qu'on suive effectivement les instructions, qu'il y ait effectivement une action qui soit menée, c'est vraiment important pour que l'œuvre soit complète. Ce n'est pas du tout secondaire. Alors que dans certaines œuvres d'art conceptuel, la question n'est pas posée. C'est que... un autre problème pour eux. Alors que pour Fluxus, c'est vraiment important. Parce qu'il y a vraiment cette, comment cette volonté euh, euh, d'activation commune et de l'œuvre et du participant. C'est-à-dire le participant en activant l'œuvre. Euh, se met en activité. Et il y a vraiment cette idée que le mettre dans une activité presque. Alors parfois c'est une activité extériorisée, c'est-à-dire ça veut dire voilà, prendre quelque chose, faire quelque chose. Parfois c'est une activité intérieure. Mais il y a vraiment l'idée que le fait qu'il la réalise, c'est ça qui va créer ce réagencement intérieur qui est si important pour Fluxus, dont il parle si bien. Euh, qui, eux, ils parlent de. Euh, Comment dirais-je désaliénation Enfin, c'est des mots assez forts. Hein, de désaliénation, euh, de euh, comment dirais-je création, euh, création de créativité, c'est pas très. De <laughs> comment dirais-je de, su de susciter la créativité euh, chez le spectateur, qui est aussi quelque chose de, de commun avec l'éducation artistique et que j'ai découvert chez Fluxus euh, sous cet angle en, en l'étudiant, c'est qu'il y a vraiment euh, ce qui est très singulier, je pense, à la famille Fluxus, c'est une volonté de développer positivement quelque chose chez euh, le public et qui est dit très frontalement euh, par les artistes, euh, ce qui est très rare en art contemporain. Par exemple, Elio Oiticica, qui est brésilien, je ne sais pas si je prononce bien son nom de famille, euh, il parle de, de lui, qui est un artiste brésilien, il parle de lui en disant qu'il est un éducateur. Alors ça aussi, ça m'a beaucoup frappée. Euh, George Massunas qui est un autre artiste il dit que il veut développer euh, il dit setting of general creativity que c'est vraiment un, une ambition chez lui euh, juste je voudrais aussi vous montrer ce, cette œuvre que euh, je trouve euh, supérieure de Yoko Ono que je trouve très forte euh, je vous laisse juste je vais faire passer le diapositive donc c'est un livre d'instructions euh, voilà euh, si vous voyez pas oui vous voyez bien c'est bien je n'ai pas besoin de les lire je vous laisse juste un peu de temps pour les Et là, c'est intéressant dans, dans ces instructions, ces deux-là, c'est qu'il y a aussi des instructions qui reprennent explicitement des motifs traditionnels de l'art, par exemple la peinture. Et qu'il y a vraiment cette idée que tout d'un coup, on va reprendre ces formes antérieures et qu'on va, on va dire qu'on peut faire de la peinture, mais autrement. Et qu'en fait, ça va être une activité. Il y, y a vraiment cette, 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 cette chose très intéressante, je trouve, chez Fluxus, où. Parce que souvent, on a tendance à valoriser euh, comment la, la participation comme euh, mise en action euh, effective, il faut faire des choses, etc. Et c'est parfois très intéressant. Ce qui est très intéressant chez Fluxus, c'est qu'on peut vraiment parler de participation. Mais c'est une, parti, une, une action très forte. Enfin, moi, quand je lis ces, ces textes, je, je suis vraiment mue. Euh, de, je suis pas, euh, Ça me met en, en activité, mais c'est une, une reconfiguration intérieure. C'est-à-dire que j'essaie vraiment... Euh, et c'est finalement quelque chose qui est très commun avec le modèle de réception traditionnelle euh, de l'art. C'est-à-dire ça va se passer à l dans, dans la scène intérieure que l'activité va se passer. Et eux, ils reprennent quand même ça. C'est-à-dire qu'ils ils se tiennent vraiment à la frontière entre une participation nouvelle qui serait euh, la mise en activité extériorisée euh, des, du public et euh, une sorte de réinterprétation du modèle de réception antérieur qui est le fait de euh, comment dirais-je de se laisser réagencer par euh, par l'œuvre mais sauf que ici et c'est pour ça que je voilà pour revenir à l'idée des rencontres individuelles, ici c'est on est presque comme accompagné dans, cette, euh, euh, dans ce réagencement intérieur. Dans ces instructions, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'artiste est quand même là. Enfin, il y a une voix, il y a quelqu'un qui vous parle, il y a une adresse. C'est presque l'artiste qui vous dit de faire ça. Et du coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'interpellation aussi, qui est aussi peut-être une condition intéressante pour qu'il y ait rencontre avec une œuvre, pour qu'on ait l'impression que l'œuvre, elle est là pour nous. C'est pour ça que j'aime bien... Euh, euh, l'idée que l'art n'arrivera pas sans vous c'est à dire que l'œuvre, elle est là pour nous, elle n'est pas là juste par hasard dans une salle et on la croise c'est qu'elle été elle nous a été en partie on a l'impression qu'elle nous a été destinée parce quon on nous parle il y a cette relation qui est créée par les instructions. Et il y a un autre point de fluxus qui me semble très intéressant c'est aussi euh, et qui est très intéressant parce que je trouve qu'il résonne avec les pratiques d'éducation artistique c'est que dans les relations mises en place par les œuvres, il y a une tonalité de relation très particulière, qui est que euh, c'est une relation de confiance mutuelle. C'est-à-dire que moi, je vous soumets cette possibilité d'agir, de faire quelque chose, et je vous fais confiance pour que vous le fassiez et que vous le preniez au sérieux. Euh, il y a une sorte de contrat tacite. Ce qui est très différent de d'autres artistes à la même époque, dans les années 60, c'est aussi le moment où il y a des performances extrêmement violentes, extrêmement frontales et confrontationnelles même avec le public, et où c'est un autre, une autre tonalité de relation, où on a l'impression que là, pour créer des réagencements intérieurs, il faut, euh, comment dirais-je, presque aller au clash, aller à la provocation, aller à, à quelque chose qui est gênant, alors que Fluxus, c'est vraiment un autre, une autre modalité. Euh, que je trouve, euh, qui je pense aussi est à l'œuvre dans beaucoup de, de pratiques d'éducation artistique, qui est que euh, on va plutôt euh, faire du don contre don et être dans une relation, euh, comment dirais-je, plus, euh, oui, de, de, de confiance mutuelle. Enfin, en tout cas, que c'est, je pense, un objectif. Euh, assez souhaitable de la pédagogie, je, je pense. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose de très, voilà, très propre à Fluxus. Et il y a une, une, un autre point que... Je, voilà, un autre point qui, euh, pour moi, euh, infuse ou arrive dans les pratiques d'éducation artistique que j'ai l'impression de voir à l'œuvre aussi parfois dans certains projets, qui est que... Euh, il y a une sorte d'ambiguïté dans le terme éducation artistique. Je me suis beaucoup posé la question. Je me suis dit, mais quand on dit éducation artistique, en fait, de, quel art, enfin, de quelle définition de l'art on parle à, quel... à quoi on éduque Quand on dit éducation artistique, est-ce que ça veut dire qu'on va... Il y, a, il, y a, il y a beaucoup de réponses possibles. Il y a beaucoup de familles, d'ailleurs, différentes à cet égard. Il y a la famille qui, justement, euh, va dire, ben, qui est un peu proche de... Des politiques culturelles qu'on a vues de démocratisation de l'art, qui est que l'ambition de l'éducation artistique, ça pourrait être de euh, faire connaître le, le corpus d'œuvres qui constitue l'histoire euh, euh, artistique d'un pays, ou euh, faire accéder à, une, à la culture, en fait. La, voilà. Et tout d'un coup, euh, ce qui est très intéressant avec Fluxus, c'est que c'est pas voilà, ça a commencé avant, ça a commencé. Je pense que voilà, Duchamp a joué un rôle aussi là-dedans. Mais ce qu'on voit vraiment euh, voilà, surgir dans, dans Fluxus, c'est cette idée que, est-ce que l'art, ce ne serait pas tant cet ensemble de pratiques déterminées avec des techniques, des médiums donnés, on sait ce que c'est, c'est là Est-ce que l'art, euh, ce serait pas plutôt une sorte, une forme d'intensification de l'expérience Aussi, on va pas obligé de choisir d'ailleurs ça pourrait être aussi une forme d'intensification de l'expérience. Alors, là, ça paraît peut-être un peu abstrait, mais en fait, je pense que, que voilà, on va comment soulever les, <laughs> les couches successives, au sens où, euh, alors ici, Georges Macunas le dit de façon très, comment dirais-je, frontale. Uh, promote anti-art, promote non-art reality, euh, avec cette idée aussi d'ouverture euh, de l'art à d'autres pub publics que les publics traditionnels. Quand il dit promote non-art reality, à mon sens, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit à l'œuvre dans les, les instructions de Yoko Ono, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est plus, comment dirais-je, des manières de réaborder, de revoir différemment des choses de notre expérience quotidienne qui, va, qui peut constituer un objet de l'art, euh, plutôt que d'apprendre, je ne sais pas, euh, la peinture ou que d'apprendre euh, l'histoire de la musique, etc. Tout d'un coup, il, il change. Et il euh, y a cette citation, je trouve, très intéressante de Elio. Oh, Jessica, <laughs> cet artiste brésilien, qui dit, qui raconte qu'il lit Grapefruit de Yoko Ono, ce livre d'instructions. Et en fait, pour moi, cette citation, elle illustre très bien ce que ça veut dire, euh, penser que l'art puisse être une sorte d'intensification de l'expérience. Il dit, j'ai lu euh, d'un bout à l'autre les instructions de Yoko Ono. Et le matin, quand je me suis levée, quand j'ai regardé autour de moi, j'avais l'impression... Que tout, tout, voilà, la table, la chaise, la tasse de café, c'était comme des accessoires qui, étaient, euh, euh, qui avaient été transformés et échangés par un magicien. Et là, il dit comme s'ils avaient été libérés des définitions qui les limitaient comme objets. Ce qui veut dire, c'est que, exactement ce que j'essayais de vous dire au début en termes de rencontre individuelle, c'est que tout d'un coup, il a lu Yokono et tout d'un coup, tout ce qui. Sa manière de considérer cette carafe euh, n'était plus du tout la même. Et quelque chose, c'est pas que plus du tout la même et qu'il ne la voyait plus du tout comme carafe, c'est que tout d'un coup, il y avait d'autres euh, couches de perception qui s'ajoutaient, qui complexifient, qui enrichissent l'expérience vécue. Et bon, je pense que c'est une bonne définition d'un effet artistique réussi. Euh, et donc, ça aussi, ça me semble être quelque chose qu'on voit. Euh, voilà, cette distinction entre. Euh, comment dirais-je Enfin, sa distinction. Oui, entre deux, je dirais peut-être deux. Il y a sûrement beaucoup plus, d'ailleurs, de familles d'éducation artistique que ça, mais de voilà, de, de pratiques qui essayent de d'amener euh, l'art au sens euh, cette euh, cette pratique, cette discipline, ce domaine de la vie euh, chez des gens. Et euh, une, autre, euh, une autre, famille possible là, qui est de comment dirais-je de faire en sorte que, que l'art euh, un filtre euh, infuse l'expérience quotidienne plutôt comme prisme de perception euh, nouveau et de sentir nouveau. Euh, alors, combien de temps il me reste Il me reste à peu près 10-15 minutes, très bien. Euh, ce qui m'a semblé important aussi, c'est euh, d'essayer de comprendre... Pourquoi, j'étais très appliquée, je me suis dit pourquoi mobile c'est important Pourquoi dispositif mobile, pratique mobile c'est important Et c'est vrai que dans Fluxus, c'est que aussi des dispositifs que l'on peut emporter chez soi, qu'on peut avoir n'importe où. Alors bien sûr, il y, a, voilà, il y a une première réponse à ça qui est assez évidente, qui est bah, que est, ça sort des lieux consacrés de l'art, ça permet d'atteindre d'autres publics, etc. Mais après, je me suis dit, il y a peut-être autre chose aussi que permet cette mobilité des, des œuvres euh, ou des dispositifs, qui est que euh, ça permet de produire... Euh, c'est un autre modèle de, de production d'effets, c'est un autre modèle d'engagement de l'art pour moi. Je vais m'expliquer. Au sens où là, depuis tout à l'heure, je vous dis euh, euh, créer des rencontres individuelles, changer les relations à l'art, changer les habitudes d'art. Ça, c'est vraiment ce qu'on fait les mouvements d'avant-garde et tout ça. Là, je pense que j'ai vraiment pas été très sympa avec le traducteur. Euh, mais tout ça, c'est pas pour changer. Voilà, les choses juste pour les changer. C'est parce que voilà, le cri qu'on a redit, re-redit des avant-gardes, c'est changer l'art pour changer la vie. Okay. Donc, la question c'est comment le fait que ce soit des dispositifs mobiles, ça permet effectivement de peut-être d'être une condition favorable au fait de changer la vie, c'est-à-dire d'avoir une effectivité. Et c'est dans ce sens-là que je parle d'art engagé, parce qu'on en parle pour de l'art très politique, mais moi je voudrais en parler d'art engagé comme justement un art qui a pour ambition de créer ces, ces, petits, ces transformations dans nos manières de sentir, de percevoir, d'agir. Et alors à ce moment-là, j'ai pensé, euh, c'était très utile pour moi, à, à un extrait de Jacques Rancière dans Le spectateur émancipé, euh, qui dit qu'il y a eu un modèle un peu dominant dans l'histoire de l'art moderne et contemporain, de l'art engagé, qui est... Euh, alors lui, il utilise un concept un peu compliqué, mais qui est la position critique mimétique. Okay. Ce qu'il veut dire, c'est qu'en euh, qu en fait, c'était euh, de créer des œuvres qui, euh, dont on pensait que l'effectivité allait se produire par le fait de créer des prises de conscience chez le spectateur. C'était ça le dispositif clé, la prise de conscience. Et comment on créait cette prise de conscience c'était notamment euh, par des dispositifs euh, de, de subversion, de choc, euh, de voilà, de, de comment dirais-je, de, ouais, de provocation entre ce qu'on pensait être et ce que nous révélait l'artiste de la réalité. Il y avait une sorte de confrontation entre les deux. Euh, sauf que Rancière dit très bien, mais ce dispositif de la prise de conscience euh, pour créer des effets sociaux et politiques, lui il dit ⁇ ça ne marche pas ⁇ Et donc je vous lis sa citation. Il dit ⁇ il y a une absence de transmission calculable entre choc artistique sensible, prise de conscience intellectuelle et mobilisation politique. Donc vous avez l'œuvre, l'intérieur du spectateur, et les effets potentiels après. Il dit :« On ne passe pas de la vision d'un spectacle à une compréhension du monde et d'une compréhension intellectuelle à une décision d'action. » Ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a une sorte un peu de saut de la foi dans le dispositif de la prise de conscience, dont on espère que, euh, comment dirais-je, que ça va effectivement le fait de tout d'un coup se dire :« Ah oui, bon, je caricature un peu. Euh, la guerre au Vietnam devant une œuvre de Martha Rosler, c'est important, c'est grave, etc. » Est-ce que, la question c'est, est-ce que, c'est l'exemple qu'il prend lui dans le livre, est-ce que, est, comment, est-ce que ça va nous amener effectivement à agir et à percevoir durablement, différemment, cet événement-là Jacques Roissière, dit qu'il ne pense pas. Très bon, ça peut se discuter. Et moi, ce que je trouve très important, enfin, c'est que euh, fluxus et... Je pense certaines pratiques d'éducation artistique. Elles font un pari justement différent. Elles ne parient pas sur la prise de conscience, comme pour faire changer, pour faire bouger le spectateur. Et c'est pour ça que les dispositifs mobiles sont importants. J'ai pas perdu ma question, même si j'ai fait une sorte de détour. Elles parient sur le fait, euh, sur le changement d'habitude, de manière de faire chez les gens, sur un processus beaucoup plus lent. Et c'est ça. Euh, c'est ça le pari, c'est ça le nouveau dispositif d'effectivité, si vous voulez, de l'art. C'est-à-dire que le fait que les choses soient mobiles, que les œuvres soient mobiles, ça permet que déjà il y ait une durée de la relation avec euh, le spectateur, enfin avec le spectateur, avec le participant, que ce soit dans aussi des lieux de la vie quotidienne, c'est-à-dire voilà potentiellement chez lui ou dans des lieux familiers, avec une, une voilà une fréquentation régulière. Et que tout ça, ça fait qu'il y a plus de chances pour qu'il y ait des sortes de reconfigurations de nos manières habituelles de penser les choses, de percevoir notre environnement, de se relier aux gens. Et c'est comme si les œuvres étaient une sorte. Les dispositifs mobiles, c'était une sorte d'entraînement, euh, presque chez soi ou dans les lieux qui sont chez nous, euh, d'entraînement au fait de changer d'habitude. De, au fait de penser que les choses peuvent être autrement, peuvent se faire autrement, et que c'est ça un effet politique intéressant. Il y, y a quelque chose de très politique là-dedans. Arriver, sans, comment dirais-je, avoir des œuvres, des dispositifs qui nous mettent tout le temps dans une sorte d'entraînement de, quotidien au fait de penser que là, je vois les choses comme ça, mais en fait, peut-être qu'il y a une autre perspective, peut-être que c'est très politique, parce que du coup, ça ouvre des possibilités, des chemins d'action. Euh, Qu'on n'aurait pas perçu euh, autrement. Euh, alors, je vais, il me reste cinq minutes que je vais exploiter au maximum. <laughs> je suis désolée, <laughs> je ne vais pas écourter ça parce qu'il y a un autre point qui me semble intéressant, qui n'est pas en rapport avec Fluxus, mais qui est un autre membre de cette généalogie, fin de ces, ces filiations artistiques possibles, Donc, je ne pourrais pas vous dire autant que je voudrais parce qu'il me reste peu de temps, mais. Je pense que c'est intéressant quand même de euh, l'insérer. Voilà, c'est euh, cette famille plus contemporaine qui naît à partir du début des années 90 à peu près, que les historiens d'art ont appelé souvent général, enfin les historiens d'art et parfois les praticiens, euh, art participatif. Donc vous voyez l'affiliation filiation en direct, la filiation c'est que c'était une même, euh, comment dirais-je, c'est des artistes qui ont aussi euh, pensé que créer des formes de relations participatives entre œuvre et public pouvait être des, des conditions pour qu'il se passe effectivement quelque chose, pour qu'il y ait rencontre. Sauf que euh, ce qui est un peu dérangeant dans ce terme euh, art participatif, c'est que euh, c'est que là, voilà, c'est que participation, euh, on devrait jamais l'utiliser au singulier, on devrait toujours l'utiliser au pluriel, <laughs> parce que c'est il euh, n'y a pas la participation, ou une participation, il y a toujours des formes de participation différentes. Donc là, on a vu une forme de participation avec Fluxus, qui est une sorte d'activation euh, des œuvres, d'interaction, euh, d'intervention, parfois avec les euh, sur une œuvre. Et là, ce que propose, euh, on va dire, la branche de l'art participatif qui m'intéresse ici aujourd'hui et que moi j'ai appelé art en commun. C'est pour ça que j'ai fait un livre là-dessus. Euh, C'est des formes de euh, de pratiques euh, dans l'espace social, de collaboration et de coproduction euh, des œuvres. Euh, et donc c'est pas du tout la même chose que ce que propose Fluxus, puisque Fluxus c'est eux qui créent l'œuvre, après ils la soumettent, ils l'offrent, si vous voulez, euh, à des publics. Et du coup je me suis dit ah est-ce que c'est il y a quelque chose qui peut être intéressant là pour les pratiques d'éducation artistique, même si les formes sont peut-être plus moins directement similaires. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans ces projets euh, d'art participatif, donc je vais vous parler euh, de projet de Jeremy Deller et d'un projet d'un collectif d'architecture qui s'appelle Assemble. Ce qui m'a semblé inté intéressant dans ces projets, c'est que qu'ils créent, euh, comment dire, ils changent aussi une habitude d'art, une autre habitude d'art, qui est que euh, le, tout d'un coup, ils vont créer des œuvres qui se, se fondent sur euh, les savoir-faire, les compétences des autres et pas de l'artiste. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Fluxus. Euh, non, ouais, enfin, c'est pas pour, <laughs> mais c'est pour vous montrer l'évolution de, de la chose. Euh, ce qui est intéressant, à mon sens, pour la pédagogie, parce qu'il y a toute cette réflexion en ce moment dont parlait Pablo Martinez de qui est-ce qui apprend, qu'est-ce qui qui est ce qui euh, enseigne. Et justement, euh, ces questions, à mon avis, elles sont aussi posées dans ces projets. Et donc, il y a Jeremy Deller, qui est spécialiste, donc euh, il a fait énormément de projets, j'imagine que vous êtes familier un peu avec ce, ce qu'il a fait. Ici, c'est son premier projet participatif, qui en fait euh, va un peu euh, constituer une signature après pour tous les autres projets qu'il a fait euh, de participation. Euh, qui est qu'en fait, il se met dans une situation où il pense à un projet qu'il ne peut pas réaliser tout seul parce qu'il ne sait pas faire, euh, <laughs> euh, comment dirais-je, l'activité qui va être au centre de l'œuvre. Et donc, il est obligé, il est contraint d'aller chercher d'autres gens. Et c'est comme ça qu'il va créer une, cette relation euh, avec d'autres. Ce qui est, voilà, je me dis, bon. Euh, et donc là, en l'occurrence, Acid Brass, c'est. Donc là, l'artiste, c'est encore lui qui a l'idée, comme dans Fluxus, c'est encore lui qui a l'initiative du projet. Euh, il y a une idée très étrange, comme toujours chez Jeremy Deller, de, de proposer à une fanfare de cuivre. Donc vous savez, il y a cette grande tradition de fanfare de cuivre dans le nord de l'Angleterre qui est associée à des usines. Euh, vous avez peut-être vu le film euh, Les Virtuoses euh, à propos de ça. Euh, il propose donc, c des, souvent c'était des ouvriers des usines qui faisaient partie de ces fanfares. Et donc là, il propose à ces euh, fanfares qui ont subsisté après la désindustrialisation du Nord, etc., enfin, grande partie de désindustrialisation, de jouer de l'acid house, qui est cette musique qui émerge dans les années 80 à Londres c'est-à-dire le pôle opposé de, dans la géographie sociale de l'Angleterre, et qui est justement euh, la musique qui caractérise pour lui, si vous voulez, euh, le début des années 80 et de la post enfin, société post-industrielle, société de loisirs, de services, avec l'explosion de Londres, etc. Euh, et qui est la fin, qui, voilà, qui marque pour lui symboliquement au niveau musical, la fin de l'ère des années 70, qui est... Euh, Comment dirais-je, l'ère de mobilisation ouvrière par excellence, même si elle s'étend un peu plus au niveau des débuts des années 80. Et donc pour lui, il y a quelque chose de, de très intéressant à créer cette rencontre très improbable. Euh, et ce qui est, est très fort, c'est que euh, donc il, il se, les, la bande. La bande là, la bande, la fanfare, la fanfare euh, se prête au jeu. Euh, et qu'au début, il se prête au jeu un peu par... Euh, comment dirais-je euh, voilà, pour voir ce que ça donne sans être particulièrement intéressé, engagé dans le projet. Et ce qu'ils découvrent, c'est que tout d'un coup, ça change aussi complètement euh, le type de public qu'ils vont avoir dans leur représentation. Qu'ils avaient un public plutôt vieillissant, euh, qui s'endormait régulièrement dans leur, euh, dans leur spectacle. Et que tout d'un coup, euh, y a ces, ça crée. En fait, vous pouvez même écouter la musique sur Internet. Je vous le conseille, c'est. Si très réussi, euh, ça crée euh, tout à fait une autre relation entre la fanfare et le public, c'est d'autres types de gens et beaucoup plus joyeux et entraînant pour eux. Donc il y a eu voilà, il y a cet effet qui est intéressant de comment voilà, ah, Jeremy Deller se met dans une position explicite de non compétence, euh, voilà comme, princi comme voilà, principe de départ d'un projet. Et très rapidement, en une minute 30, euh, ce projet euh, Dassmold, qui a gagné le Turner Prize en 2015, ce qui a été très étonnant, euh, enfin ce qui a vraiment fait beaucoup de bruit dans le monde de l'art contemporain parce qu'on s'y attendait pas, euh, qui est un collectif d'architecture et de design euh, anglais et euh, qui, lui, a un autre euh, mode d'opération, qui est que il va, euh, comment dirais-je, s'insérer. Euh, dans des projets qui sont déjà menés par des citoyens, des projets d'associations de, citoyennes. Donc, c'est des gens qui sont déjà, si vous voulez, qui n'ont pas besoin d'être émancipés. <laughs> C'est-à-dire que, euh, du coup, le rôle de l'artiste, c'est pas, tiens, vous, je caricature un peu, vous ne faites rien, vous avez besoin de moi, je suis là, je vais, euh, voilà, vous, vous porter. Euh, là, c'est des... Euh, des, des, des citoyens qui sont déjà très actifs, en l'occurrence ici à Liverpool, qui ont ce qui... C'est des rues, c'est un quartier en fait dans Liverpool, alors je vais essayer d'être rapide parce que c'est un peu administrativement compliqué, qui ont connu une mesure de réf, de immobili euh, immobilière étatique, qui était que euh, sous le gouvernement Blair, le gouvernement associé à des entreprises rachetait des quartiers entiers. Euh, bah, ce qu'on voit dans un processus de, voilà, de gentrification, racheter des quartiers entiers et des maisons à, à des gens pour créer de nouveaux quartiers. Sauf que ce qui s'est passé, euh, en fait, c'est que ces quartiers n'ont jamais été euh, effectivement transformés, rénovés. Et donc il y avait une partie des anciens habitants qui étaient toujours là, mais qui vivaient dans des sortes de rues fantômes, parce que la moitié des gens étaient partis, du coup les commerces étaient partis aussi, etc. Et donc il y avait une association d'habitants qui a commencé à faire des choses dans ce quartier. Euh, des, voilà, des, c'était des choses assez simples, repeindre des façades, faire des marchés, euh, des choses euh, communautaires. Et ce que proposait Assemble, c'était de, de s'insérer dans cette dynamique déjà. Donc vous voyez aussi encore un autre, euh, une autre relation euh, artiste-participant. Euh, Et euh, ici de proposer euh, par exemple un jardin d'hiver dans une des maisons. Et euh, de, c'est particulièrement pour ce projet-là qu'ils ont eu le Turner Prize, de créer un atelier de fabrication euh, d'objets artisanaux créés à partir des décombres des maisons à moitié, euh, voilà, abîmées, euh, à moitié démolies, qui étaient en partie réalisés euh, avec les habitants et qui sont vendus en ligne. Vous pouvez en acheter d'ailleurs, et dont l'argent revient euh, à cette association de citoyens. Voilà. Et, ce qui, qui m'intéressait dans cette filiation avec l'art en commun, c'était que tout d'un coup, euh, euh, le point de départ de l'œuvre, parfois et notamment ici dans Assemble, est en dehors de l'artiste, que c'est, euh, comment dire, la communauté qui, euh, qui comment qui crée, le, qui crée le, le point de départ de l'œuvre. Et ça, c'est quelque chose aussi. Je ne sais pas. Moi, je, 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 encore une fois. Je, du tout spécialiste d'éducation artistique, je me suis dit tiens, je me suis dit comment comment ça se passerait si on pensait les choses comme ça. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. J'ai fini. <rire> Pablo, <rire> me buscas a mí No. Ah non, no vale. Hay la ah, vale preguntas. ¿Tenemos tiempo para...? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? Sí, muchísimas gracias. ¿Siguiente? Sí, antes que nada, muy, muy, muy... muy. Quizás si no hay ninguna, me lanzo yo con, con, con la primera. Te quería agradecer un montón, Esther, por la conferencia, por el esfuerzo también de pensar ¿no? en relación sí. a tus investigaciones, para algo que se ajustase al... al a... Al seminario ¿no? y que además ha estado investigando viendo las prácticas que se han desarrollado por los distintos participantes aquí. ¿Hay algo que me gustaría como hacerte dos preguntas sí. y que tienen que ver con tu presentación y también con esta idea del encuentro individuante. ¿no? Por una parte me gustaría preguntarte qué relación o cómo... Cómo matiza esto la tradición de la de, de, bueno, de la experiencia estética ¿no? uh -huh. como, como una práctica de, de, de ya citado a Ranciere, no como una uh -huh. práctica de producción de subjetividad o de nuevas formas de subjetividad política ¿no? uh -huh. esa posibilidad uh -huh. y por otra parte esta sería como la primera ¿eh? pero también relacionada con este encuentro individual antes me ha parecido entender bien ¿no? toda la relación que haces con Fluxus uh -huh. y esta encuentro individuante, pero luego eh, entiendo por la aceleración, no sé si podrías matizar ahora cómo estos casos de, la, de, de, una, de, como de, de otra generación de artistas ¿no? y de otro momento histórico uh -huh. se relacionan con ese anterior en torno a este concepto de, 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 del encuentro individuante. Vale. Um, Voy a comenzar por la segunda cuestión. Sí. Um, Est-ce que le traducteur est toujours là? Oui. Oui? Ok, super. <laughs> euh, alors euh, je pense que le lien que je vois moi entre euh, voilà, cette idée de rencontre individuante et l'art en commun, c'est que quand je disais ça crée des artistes. De, c'est que dans l'art en commun, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de sensibilité. Très prononcée à créer ce que je disais au départ, des conditions favorables à la rencontre. Et en l'occurrence, qu'est-ce que c'est ces conditions favorables qui sont en partie partagées avec Fluxus C'est euh, la durée d'un projet, le fait que ce soit long. Alors voilà, les projets d'art en commun, je ne l'ai pas dit, pardon, mais souvent ça dure, ça dure euh, au minimum un mois et euh, souvent ça dure même des années. Euh, et du coup, il euh, y a vraiment cette idée que euh, est-ce qu'on va. Est-ce que ça ne va pas s'autoriser euh, à produire plus d'effets euh, justement dans, en introduisant un, un rapport de durée Je pense qu'on a même cette expérience-là euh, très, très simplement. Par exemple, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'avoir une rencontre individuelle avec une peinture qu'on voit une fois, même si ça arrive. Moi je, sinon, je ne serais pas devenue historienne de l'art, mais ça arrive. Mais je pense que c'est plus dur que par exemple avec un roman ou même avec une série avec, la, avec lequel on vit. Pendant toute une partie de notre, euh, voilà, de notre temps, tout d'un coup, il y a beaucoup plus de chances que ce soit une rencontre importante, enfin, il y a beaucoup plus de chances. En tout cas, c'est une, une condition favorable, le fait qu'on qu passe du temps avec euh, cette œuvre, à ce qu'il se passe effectivement euh, quelque chose de fort. Et donc, ça, c'est quelque chose que gardent, enfin, que, que, sur lequel mettent beaucoup l'accent euh, les artistes de l'art en commun. Il y a aussi l'idée que, euh, est-ce que si on n'invite euh, les gens euh, soit à penser l'œuvre, soit à faire l'œuvre euh, avec nous, enfin avec l'artiste, est-ce que ce n'est pas aussi une manière de, voilà, de comment dirais-je, une condition favorable supplémentaire au fait qu'il euh, y ait effectivement une rencontre Parce que tout d'un coup, c'est un objet... Euh, oui, ça pose. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose que je, vais, je vous raconte, des, des choses d'une banalité pour vous. <laughs> parce que je veux dire, c'est quelque chose que vous savez très, très bien, qui est que au, la, du coup, la question, ça ne va plus être comment je vais amener quelqu'un à être en, entré en relation avec un objet extérieur. Si je l'intègre directement dans le processus de création de l'objet, il euh, euh, y a déjà cette relation créée. Après, la question, ça va être comment on va. Explorer euh, les possibilités euh, ensemble de, de cet objet et de ses effets. Mais il y a déjà une relation très organique qui va être créée. Donc, ça aussi, c'est une autre euh, mmh. condition favorable à la rencontre individuelle. Je réponds un peu à ta question. Ouais. Oui. Euh, et à la première question. Donc euh, Est-ce que la question, c'est un petit peu comment je fais un lien entre euh, rencontre individuelle et. De, comment je peux en parler de manière un peu plus politique, euh, comme engagement euh, no, dans, en no. lien avec l'engagement que, que politique Quelle que, que, que différence y a-t-il avec l'idée d'expérience esthétique que nous avons eu dans la tradition de la théorie esthétique ah oui. okay. euh, Je pense que, euh, ce qui, pour moi, ce qui est différent, c'est que dans une certaine euh, tradition euh, de... Euh, l'explication de l'expérience de esthétique en philosophie, il y avait beaucoup cette idée qu'il y avait un individu face à un objet. Et que du coup, la question, c'était par exemple, en, dans, euh, en esthétique, euh, quels vont être les attributs de l'œuvre qui vont permettre euh, qu'il y ait des effets sur le spectateur Ou euh, comment on va faire, comment on peut, comment dirais-je... Euh, c'était deux entités séparées. Alors que pour moi, ce qui m'intéresse dans le concept de rencontre individuante, c'est que euh, de penser vraiment les choses, c'est de penser ce qui se passe entre un, une œuvre et un, un, un spectateur comme une relation. Et qu'en en fait, même l'individuante, ça vient d'un concept qui est individuation chez Gilbert Simondon, qui est un philosophe qui a beaucoup inspiré Deleuze. Et, et il a cette idée qu'en fait, euh, on n'a pas ré, du tout réussi à penser ce qu'était un individu dans la tradition philosophique, traditionnelle, tradition, pardon, tradition philosophique, euh, classique, euh, parce que lui, il dit, en fait, un, quel, une personne, c'est un processus d'individuation, c'est une trajectoire, c'est-à-dire qu'en fait, jamais de, on n'est jamais ouais. quelqu'un de constitué. Euh, et qu'en fait, si on pense les choses comme ça... Euh, la rencontre, c'est justement euh, euh, comment euh, un événement, euh, un phénomène, un objet, une œuvre va venir euh, transformer, infléchir notre processus, notre trajectoire d'individuation. Et je trouve que cette manière. Alors après, c'est très proche de ce que dit Rancière dans le partage du sensible, par exemple. Euh, donc je prétends pas. Euh, voilà être euh, de okay. nouvelle de manière fracassante, euh, mais il euh, y a vraiment cette idée de, de penser davantage les choses euh, relationnellement, qui est, je pense, très important. Plus okay. mm. okay. de questions ou de commentaires Si non, nous pouvons passer à la table. Merci beaucoup.